fond. Alors Valérie Masson-Delmotte, j'ai envie qu'on commence avec vous. Vous rentrez tout juste de la COP22. Le GIEC vous prend énormément de temps. Vos recherches vous accaparent. Et quand on vous demande de venir faire une conférence ou de participer comme ce soir à un débat, un colloque, vous dites toujours oui. Pourquoi ? Alors pourquoi ? J'ai pas forcément une réponse évidente. Mais j'ai vraiment deux sentiments très forts. Le premier, c'est que j'ai la chance d'être payée par de l'argent public pour faire quelque chose qui me passionne, pour donner libre cours à une forme de curiosité sans qu'on m'ait jamais vraiment dit ce que je devais faire. C'est une liberté formidable. Et je pense que c'est important qu'on partage avec le reste de la société les résultats de cette liberté. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'ai un sentiment d'urgence par rapport à l'état des connaissances qu'on accumule dans nos petits cercles très agréables de chercheurs, et un fossé entre les connaissances qu'on a dans ce petit cercle et puis l'état des connaissances sur des sujets qui sont sensibles pour la société, comme celui du changement climatique, dans le reste de la société. Et donc j'ai ces deux dimensions-là, le sentiment de devoir rendre ce que la société me donne, et d'autre part, le sentiment que...